Deux hommes d'entre ceux qui craignent Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits dirent: Entrez chez eux par la porte. Puis quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Ils dirent: Moïse, nous n'y entrerons jamais, aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous resterons là où nous sommes. Il dit: Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. Il, Allah, dit: Eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant laquelle ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit: Je te tuerai sûrement. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit: « Malheur à moi! Suis-je incapable d'être comme ce corbeau à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Il y aura pour eux un énorme châtiment. Excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir. Sachez qu'alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre et autant encore pour se racheter du châtiment du jour de la résurrection, on ne l'acceptera pas d'eux. Et pour eux, il y aura un châtiment douloureux. Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront point, et ils auront un châtiment permanent. Le voleur et la voleuse ont tous deux coupé la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre? Il châtie qui il veut et pardonne à qui il veut, et Allah est omnipotent. Ô messager, que ne t'affligent point ceux qui concourent en mécréance. Parmi ceux qui ont dit « Nous avons cru » avec leur bouche, sans que leur cœur ait jamais cru, et parmi les juifs qui aiment bien écouter le mensonge, et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établis. Ils disent: si vous avez reçu ceci, acceptez-le. Et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants.
Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier le cœur. À eux seront réservés une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. Ils sont attentifs aux mensonges et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité. Car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la guerre du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sur la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah fait descendre. Ne suis pas leur passion. Et prends garde qu'ils ne te tentent de t'éloigner d'une partie de ce que Allah t'a révélé. Et puis, s'ils refusent le jugement révélé, sache qu'Allah veut les affliger ici-bas pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Ô les croyants! Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un de leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent « Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui » Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Et les croyants diront, « Est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec vous ? » Mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants.